Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de map. Je vais pas vous cacher, ça va être l'une des dernières, peut-être sur FS19, ou à moins qu'il y ait vraiment une énorme map qui arrive dans les 15 prochains jours. Bah justement, la mise à jour peut-être de celle-ci. Alors, je suis en compagnie du créateur, évidemment, parce que moi, je fais jamais les choses à moitié. Donc c'est... Bonjour à tous. Voilà, la team des deux Charentes. Donc la map, c'est les deux Charentes aussi. Donc je vous montre un peu le PDA qui peut paraître un petit peu impressionnant parce que il y a des champs, pour le coup, des petits champs. On a vu tout à l'heure, c'était une moyenne d'un hectare à peu près, un hectare et demi. Donc il y a de quoi faire. Donc du coup, je vais laisser la parole au créateur directement. Bah écoutez, bah bonjour à tous. Moi c'est Valentin de la team de Charente, donc je suis le mappeur moderne de cette map. C'est une map qui tient 266 champs, comme il a dit, d'environ un hectare et demi, ouais, à peu près. Actuellement, vous allez avoir en plus des cultures de base, le trèfle, la luzerne, le millet, le sorgho et puis le seigle, voilà, pour les cultures. Vous allez avoir plusieurs emplacements de fermes, donc on en fera le tour après, pour créer vos fermes comme vous le désirez. J'ai pris la décision de ne pas me créer de fermes afin de vous laisser le choix dans vos créations et puis finalement revenir à ce que farming proposé dans le Farming 19 et puis ce qui va arriver sur le Farming 22, j'ai essayé d'anticiper un petit peu. On est sur une map française avec des coopératives donc, du coup dont les noms sont en français que j'ai pris aux alentours de chez moi. En Charente, donc en La Charente. Charente, c'est ça. Vous allez avoir donc 9 points de vente si je ne me trompe pas, à peu près 2 points pour récupérer de la chaux. Vous avez donc le magasin concessionnaire où on se situe, avec en face le négociant bétail. Voilà pour le coup. Les coopératives, vous aurez des horaires d'ouverture à 8h, 18h, que je vais modifier par la suite dans la mise à jour en 8h, 19h. Voilà. Bah, on travaille plus après 19h normalement. Normalement, après 19h, on débauche. À côté, vous avez deux emplacements pour les BGA que je n'ai pas mis dans cette version-là et que je ne pense pas mettre dans la prochaine version pour la simple et bonne raison que j'ai un souci avec. Voilà, pour le moment, je n'ai pas prévu non plus pour le bois, à voir si je le mets dans la version V2 ou pas. Parce que tu penses peut-être, si tes compétences le permettent, la sortir sur FS22. C'est ça que tu m'as dit. Je pense qu'elle sortira sur FS22, mais il ne faut pas l'attendre avant au moins, je Janvier, pense, février février, 2022. février. Vraiment février. Déjà, moi, je ne vais pas prendre le jeu tout de suite. Voilà, il va falloir un petit peu attendre. C'est pour ça que je vais essayer de la peaufiner un maximum sur Farming 19. Je sais que beaucoup d'entre vous vont continuer de jouer sur Farming 19 et vont patienter pour prendre le Farming 22. Bah, du fait que farming sans modeur et mapper, c'est farming, Ouais. mais en moins bien. Ah bah si vous savez, on vient de faire un débat de 2 heures là-dessus, donc mais bon, on va pas vous raconter. On va pas raconter ce qui s'est passé Non, avant. c'est ça. Du coup, voilà. Vous aurez donc du coup à peu près 6 forêts sur la map. Vous avez 6 fermes. Vous avez encore des emplacements pour positionner des usines. Par exemple, je vais vous prendre le mode Agraz, qui propose énormément de possibilités, qui marche très bien sur la map, parce que moi je joue avec, c'est nickel. Vous avez deux villes, la première dans laquelle on spawn, où vous avez le magasin et le marchand de bétail ainsi que deux coopératives et une deuxième où vous aurez deux autres coopératives, enfin trois autres coopératives et vous trouverez dans chacune des deux villes de quoi faire plein de gasoil qui vous évitera de tomber en panne. Concernant le PDA, alors vous aurez une mise à jour
prochainement du PDA parce que, bah, comme vous voyez actuellement, le PDA manque cruellement de maniabilité, on va dire. J'ai incrusté les numéros des champs Ouais, on ainsi que voit les pas. noms au PDA. On ne voit pas extrêmement bien. Donc, ça sera revu dans la prochaine mise à jour. Il ne faut pas vous inquiéter. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être vues. On en parlera peut-être à la fin vite fait. Et voilà. Ça, sinon vous faites échappe et vous zoomez et vous verrez les numéros de champ. C'est ça. Si, petite dernière précision, compatible mode saison, compatible mode agriculture de précision. Ah, c'est Et bien ça. voilà. Ça va plaire à Et certains Global d'entre vous. Company. Et Global Company, oui. Ok, Voilà. là déjà on a une coopérative. Voilà, on a la coopérative, la Charentaise. C'est celle-là le portail qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà, c'est la seule qui a le portail qui s'ouvre. Ça vous permet quand même de vendre, même si les coopératives sont fermées. Je sais que certains d'entre vous veulent pouvoir vendre à n'importe quel moment. Et voilà, vous avez quand même une coopérative qui le permet. Il n'y a pas de fonctionnalité qui sort de Alors, si, l'ordinaire bah, aussi. après, bon, c'est une coopérative qui est connue. Vous avez voilà, le moyen de baisser. Faire vos prélèvements, Pour vous avez faire les portes l'humidité. ici qui s'ouvrent. Ah si, il y a quand même des petites choses. Vous avez la lumière, Ok. garde des fonctionnalités de bâtiment basiques. Classique. Voilà. Vous avez plusieurs plateformes, donc il a dit tout à l'heure le nombre exact de fermes possibles. Donc vous, enfin, 6. 6, voilà. Donc vous avez des plateformes blanches comme ça. Donc d'ailleurs, t'as revu la texture, non? C'est pas ça que tu me disais tout à l'heure. Alors, j'ai revu ouais, la texture pour la prochaine Pour la version, oui. prochaine version. Voilà. C'est ça. Donc Alors, j'ai revu il y la. a quand même de la place, hein, parce que bon, ça va. Donc ce qui est bien, en fait ça va plaire à certains, ça va peut-être moins plaire à d'autres, mais au moins vous pouvez organiser comme vous voulez une votre ferme finalement. Puis Voilà, c'est ça. il y a tellement de possibilités de mode ou autre maintenant que franchement c'est très ouvert. Vous avez même le mode paysage si vous voulez remasteriser un peu les choses, mais bon franchement c'est. Alors là, on laisse place à votre imagination Voilà. pour vraiment faire des fermes. N'hésitez pas à m'envoyer des photos même de vos fermes pour que je les publie. Et puis, pourquoi pas faire un petit concours, un de ces quatre, de la plus belle ferme sur la map. Ça pourrait être pas mal aussi. Ouais, parce que t'as une page Voilà. Facebook, hein, c'est ça? J'ai une page Facebook, la Team Les Deux Charentes. Bon, je mettrai le lien en description avec le lien de la map, évidemment. Sinon, Il y ça a n'a mon pas l'air. Discord aussi où vous pouvez venir avec plaisir. Très bien, Donc donc voilà, voilà un donc exemple. ça c'est un type d'emplacement. Vous en avez 6 de tailles différentes, dont une avec 2 étages. Donc on pourra passer dessus au-dessus tout à l'heure. Donc voilà. Je vous fais une vue de haut. Voilà à quoi ressemble la map. Elle est gigantesque. Vous avez des routes assez larges aussi. Ouais, il y a des chemins, il y a des. Il y a un petit peu de tout. Alors là, c'était anciennement le BGA que j'ai dû retirer parce que des soucis de. Qui fonctionnait pas bien. Et Fonctionnalité. donc, je préférais vous le retirer que vous laisser un BGA qui ne fonctionne pas. Ouais, c'est Voilà. sûr, sinon t'aurais eu des petits J'aurais eu des petits soucis. messages, je crois. C'est ça. Alors, vous avez. Donc là, on arrive, on voit la deuxième ville où vous pouvez prendre l'eau dans tout le lac. Le pont. Ça vous permettra de donner à boire à vos animaux si vous jouez Le de pont, tout il le RP. est sympathique. Ouais, avec un petit pont. Un petit pont traverse. Et donc Le petit buffalo, la station-service, église, le camping. y a tout ce qu'il faut. C'est ça. Les petites maisons sympas. Peut-être un peu plus détaillée cette ville que l'autre, je dirais. Un peu plus poussée.
Il y a des grandes piscines, disons, ils sont riches ici. Ici. Voilà, on est riche en Charente. Hein. Hein. Donc là, vous pouvez vendre votre bois. Donc vous voyez, c'est fermé, 8h-18h. En l'occurrence, les copeaux de bois. Je sais plus si ça prend le bois. Je pense que... Ouais. Alors, il y a des petites taches de fanée là, mais vous faites pas attention à ça, c'est... C'est que tu en as passé le temps et que du coup, bah, ça a fané. Voilà. Donc Vous voyez, les ici... coopératives s'ouvrent et se ferment automatiquement, en l'occurrence. Voilà, donc celle-ci, vous pouvez pas ouvrir le portail. Ils sont censés se fermer toutes seules, s'ouvrir toutes seules. Normalement, il n'y a pas de raison. Vérifie là. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Un grand emplacement que j'ai pas parlé, c'est l'emplacement qui peut permettre à la. Pour créer une entreprise Hop, ou attends, voilà, j'arrive. une belle possibilité ici avec le Yoplait en face, Ah enfin, oui, via. il y a une... T'as mis une route en fait et... Ouais, voilà, j'ai mis une route et puis ça, après vous dessinez comme vous le souhaitez Ouais, bah c'est vrai que autour de maintenant cette. avec le paysage là, enfin le petit Ouais, truc ouais. pour construire tout ce qu'on veut là, c'est intéressant Vous aussi pouvez de les... poser vos bâtiments et puis faire vos traces par terre, enfin voilà. Après, vous avez par exemple, comme dans ce champ-là, là, j'ai fait des emplacements qui vous permettent de, par exemple, mettre du fumier. Si vous rajoutez avec le mode agrase, vous pouvez avoir du compost, je crois, betterave, carotte, Du enfin, stockage. betterave, pommes de terre. Voilà. Ça vous permet de stocker au bord du champ. Voilà. Très bien. Pour ceux qui aiment le RP, vous pouvez venir amener votre fumier et puis ça vous fait un. Une plateforme de stockage. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Bon, j'arrive. Donc là, je fais, Ah. voilà, j'ai fait une petite montagne, je me suis amusé. Là, c'était Ouais, de la le visualisation. chemin, il est sympa. Amusé. Et il y a quelque chose en haut, du coup, ouais, il y a un point de vente. Alors, il y a la station de chaud en haut. Ah oui, ça fait un peu vide là par contre. Ouais. Mais Mais... j'ai jamais trop su quoi mettre en haut de cette. Je vais voir, je vais peut-être ajouter un chalet, un de ces quatre ou un quelque chose en haut. Ouais, là ça fait un petit peu vide quand même. Le petit silo au milieu de nulle Ouais. part. Ou alors peut-être un château, ça pourrait être pas mal, un château en haut de la montagne. Ouais, si ça Ouais, je sais existe, pas, je sais pas. Si ça existe vraiment. je vais voir, je sais pas du tout. Alors ici, t'as fait une sorte de... Alors je fais une sorte de De carrière. carrière, ouais, j'allais dire. Voilà, j'essaie de présenter un peu une carrière. En fait, j'ai On se met fait un au peu sol. plus de la préparation qu'autre chose. Elle est à revoir, hein, mais j'aimerais Ah, il rajouter y a une quelque partie chose un quand peu même, TP c'est... dedans. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le Voilà. but, ouais, forcément. Il m'a fait rire dans sa vidéo, il a dit que ça lui faisait penser à Minecraft Après, les petits cubes, un pourquoi pas? peu. Du coup, ça m'a fait rire. Ouais. J'ai trouvé l'idée pas bête, Ouais. c'était mais, Tu vas pas, avec mais ça ta fait une carrière finalement. petite pelle là, tu vas Ouais, c'est creuser ça. pour. Tu allais creuser et puis tu allais ramasser tes blocs. C'est pas mal. Ben ouais. Donc voilà, c'est une carrière qui sera En cours de fonctionnelle développement pour le 22. voilà, qui à voir. 22 ou peut-être pour une version pour le 19, pour ceux qui ont continué à jouer sur le 19. Voilà. Une Avec une version. coopérative encore derrière. Je trouvais ce point-là sympa. Alors ça, à l'avenir, je peux vous dire, ça mènera en fait au CERN. Enfin, la route qui amènera au CERN. Les CERN qui vont se retrouver ici, sur cette côte. Sympa, C'est ça mais qui bon, est c'est pas cool. très écologique, quoi. Une lampe tous les 2 mètres. Ben, c'est les éoliennes qui font Ah oui, d'accord. Elles qui se tournent pas retrouvent. encore, mais elles vont le faire à l'avenir, quoi. C'est ça. Elles vont le faire à l'avenir, c'est Ouais. ça. Mais voilà, ici, ce serait donc du coup les CERN, futurs CERN. Très bien. Sachant que dans le Farming Simulator 22, on a les CERN qui De font partie base, des usines. ouais. Donc t'aurais plus Voilà, qu'à donc les un petit placer. plus. C'est ça, tout à fait. Oui, j'avais prévu sans prévoir Allez, Farming Giant, 22. il te facilite le travail. Hein. Donc là, une belle petite montagne pour ceux qui veulent s'amuser à faire du bois en montagne. Voilà. C'est bien, c'est intéressant. Allez, encore Une un peu de coopérative en haut boulot. là-bas? Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc là, on revient en fait C'est vachement éclairé, c'est à la sympa. ferme.
toutes les maps sont pas éclairées comme ça. C'est J'ai sympa. essayé de faire en sorte qu'on puisse y jouer même de nuit, en fait. Ouais, Dans c'est des, sympa. normalement, Et tout se passe très puis bien de toujours l'extérieur. 60 FPS sans aucune baisse ni rien. Enfin, moi je te dis comme j'ai bridé à 60, mais ça doit monter plus haut. Mais Bah, comme franchement. je t'ai dit, il y avait un gars en live jeudi dernier avec moi. Il faisait la présentation de la map et des tests. Et je t'ai dit, il était entre 80 et 108 FPS. Ouais, franchement, Pour ceux qui. c'est énorme, énorme. Y en a pas beaucoup. Parce que. Et donc ensuite, là, encore un autre emplacement avec du coup ce que je vous parlais au début avec deux étages. Ici. Ouais, voilà. Je lui ferme la gueule. Ah oui, d'accord, il y a un étage là-bas. Ok, j'ai pas fait gaffe. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez, par exemple, mettre les animaux en T'aimes bien haut les ou en éoliennes, bas. toi. Il y a encore des éoliennes ici. Il y en a partout, des éoliennes, il y en a partout. C'est-à-dire, on est aux énergies renouvelables. La COP26 n'a qu'à bien se tenir, quoi. On est écolo. Vous avez un autre emplacement si vous voulez faire des usines, n'importe quoi encore. Voilà. Moi, en l'occurrence, je plaçais le mode Agraz à cet endroit, d'où la forme. Je mettais le point de vente et puis à côté, dans le plus petit carré, je mettais le point d'achat. D'accord, très bien. Voilà. Sympa, sympa. Je faisais ça comme ça. Voilà. Encore ici, bah, la vente du coton. Le coton, je crois que la laine aussi, même ce moment. Très bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Coopérative encore céréales. C'est une Celle-là, différente. je crois que c'est celle que j'ai trouvée la plus jolie du jeu, en fait. Ouais, c'est pas Niveau mal déco, les etc. gros silos. C'est pas mal. Donc évidemment, hein, vous videz là dans la grille, c'est logique. Bon, vous avez le trigger, de toute façon. Ouais. Et puis le point sur la Donc voilà. carte. Alors, C'était en culture, vous avez tout. Alors, sachant que dans la prochaine mise à jour, vous aurez des des nouvelles missions de cultures. champ Et des missions de champ, et des oui. nouvelles cultures. Donc voilà, je Voilà. tenais quand même à ne pas passer à côté de cette map-là, hein, puisque elle est vraiment sympa et ça, enfin, ça change. Et ça, rien que pour le temps que t'as pris, ça mérite une présentation. Bah, merci beaucoup. Puis le meilleur reste à venir, comme Ouais, c'est ça. je Ouais. Avec Giants, ils vont piquer les idées des modernes. dis. Ah là là. Non, on est mauvaise langue, mais enfin, je ne suis pas On est hyper mauvaise langue, mais satisfaite d'un autre là-dessus. côté, on reste réaliste. Voilà, c'est ça. On se permet. Voilà, de toute façon, il reste une quinzaine de jours, 3 semaines, donc c'est pas maintenant que le nouveau jeu va sortir. Va changer plutôt. Mais bon. Et ça, c'est ça. C'est comme ça. Alors, j'espère qu'on aura quand même des mises à jour sur ce futur FS 22 parce que on en attendait beaucoup et je pense que on peut être vite déçu. Nous verrons. À voir le 22 Ouais, novembre, on va être si je dis pas de surpris, on va bêtises. être surpris. Peut-être, hein. Ouais, peut-être, c'est moyen. Hein. Peut-être que les textures vont être plus belles que ce qui paraissait. On va voir. On verra. Bon, allez, on vous laisse. En tout cas, sur cette jolie map, n'hésitez pas à la télécharger en description. Vous n'êtes pas les seuls, parce qu'il y a déjà, je sais plus combien de téléchargements. Mais Oh, franchement, c'est pas trop mal. mais assez élevé, ouais. C'est Ouais, bien, c'est assez bien. surprenant même Monsieur est pour ma première satisfait? map. Ouais. Bah Ça oui, parce fait qu'on l'a pas plaisir. précisé, mais monsieur est amateur en plus. Donc Fait très forcément. plaisir. Puis, merci à tous les messages de soutien. Merci à toutes les personnes qui n'hésitent pas à m'envoyer un message quand ils voient quelque chose qui ne va pas sur la map. Ça me permet de la corriger. Et puis, voilà, n'hésitez pas à poser des questions ou quoi. Si vous avez même des idées de choses à rajouter, à améliorer, preneur de toutes les idées.
Après, je le fais en fonction de ce que je sais faire, mais voilà, je sais pas. C'est ça, en commentaire ici ou en commentaire sur Facebook ou en commentaire sur KingMod, enfin vous avez plein de possibilités de nous contacter. Donc Voilà, TeamMod, Discord, Discord aussi, c'est Facebook, vrai. YouTube, voilà, Y a plein de y a vraiment choses. plein de possibilités. Donc n'hésitez pas. On sait que la commu FS19 va se poursuivre. Bon, moi je vais faire le switch, évidemment, hein, parce que... Voilà, mais peut-être que je vais faire un switch en marche arrière en mois de décembre, hein, je sais pas, hein. On verra. Peut-être que la déception, le manque de mode pour le démarrage de farming, Ouais, c'est peut-être ça, et on va attendre le mois de janvier après. Bon, allez, pas sur pour ce, les on se joueurs. laisse là-dessus, on n'hésite pas à s'abonner, quand même, parce que je l'ai pas trop dit. On n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, bah, pour moi, voilà. Et puis, bah, on se retrouve sans doute pour une dernière vidéo encore sur FS19. On verra quand. Et puis, évidemment, on a la fin de notre roleplay qui arrive, donc qui est tourné, mais qui n'est pas encore monté, mais ça arrivera avant FS22 également. Et puis voilà, on se retrouve bah, très vite. Continuez à nous suivre. Merci à tous. Allez, ciao. Salut.